juste en dessous. Il est sûrement connu, il est peut-être pas mort parce que là il a plus son dignité. Donc ouais, c'est vrai qu'il n'est plus un adulte. Donc ouais, il a sûrement pas encore. Par exemple, il passe en 30 ans, il est sûrement fantôme. Ou soit 10. Ou soit 18. Nickel. Non, c'est après, c'est en plein milieu du film. Regarde. Et là, c'est que le début, c'est-à-dire qu'il y a 39 minutes. 1h30. Tu avais dit champignon, il danse. Ouais. Et toi, en fait, tu as vu un champignon qui danse? Non. Regarde tout le film, tout le truc. Regarde là. Ah oui, mais moi, ça va me tu connais une musique? Oui, mais moi, j'ai pas envie de tirer. Le poisson.
Cédric. Il n'y a que besoin d'avoir les images. Il n'y a que besoin d'avoir les images. Hein. Si c'est des musiques classiques, ça veut dire que je peux. Non. Sinon, c'est pas fort. Bah, tu mets le moins fort possible. Je mets un 0. Tu mets un 1. Mais non, on ne peut pas savoir parce que le volume il est là. C'est pas avec le crayon, on peut le faire. L'action. Comme ça? Ouais. Brésil. Venezuela. Cédric, regarde là, des fleurs, elles dansent. Question, où se trouve Budapest? Question, dans quel pays parle-t-on gaélique? Question, où se trouve Pékin? Chine. Bravo, où se trouve Buenos Aires? Question, où se trouve Brasilia? Non, refait. Brésil. Bien, où se trouve Lisbonne? Mais moins fort, c'est lui. Portugal. Bien, dans quel pays parle-t-on islandais? Islande. Parfait. Dans quel pays parle-t-on polonais? Pologne. Bien, dans quel pays parle-t-on norvégien? Norvège. Bien, où se trouve Helsinki? Finlande. Bien, dans quel pays parle-t-on suédois? Suède. Parfait. Où se trouve Varsovie? National.
la France. L'Ouganda a 2 heures d'avance par rapport à la France. Le Rwanda a 1 heure d'avance par rapport à la France. Est-ce que c'est une mer ou un lac? Regarde sur la canne de scène. Regarde. Pas encore. Je croyais que c'était en plein milieu en fait. J'avais oublié que c'était un peu au début. Contour, si vous voulez, à cause de sa taille.
La Suède a la même heure que la France. Ah oui, c'est la Suède. La Suède a la même heure que la France. Et c'est des trucs un peu cassés sur le monde. Oui, merci. La Suède a 2 heures à 13 heures d'avance par rapport à la France. Je veux dire d'un côté au Kiribati. Il est 20. Il
Voilà, c'est mon élément. De toute façon, ça va te montrer. Maurice. Non. Non, il s'est cassé la figure avec. Je reprends. Quand Pidon Stravinsky composa son ballet Le Sas du printemps, il déclarait avoir pour but d'évoquer la vie primitive. C'est pourquoi Walt Disney et ses nombreux artistes l'ont triomphé de la lettre. Au lieu de présenter le ballet sous sa forme sociale, comme une simple série de festivals, ils ont voulu en faire un grand spectacle par rapport à la jeunesse et l'évolution de la vie sociale. Et cette histoire, telle que se racontait, n'est pas du tout le fait de vous mettre. Au lieu de dire bonbon, il y a des bobos. On m'a dit quand tu as pris tes bobos. Je dis ça. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Allez, je peux le prendre. Est-ce que t'as des chewing-gums? T'en avais déjà pris un ou pas? Non. Certains poissons plus ambitieux que tous leurs voisins rampèrent vers la terre et devinrent les premiers amphibiens. Ensuite, il y a plusieurs centaines de millions d'années, la nature s'appela Alimenta et produisit les dinosaures. Oh, c'est une crotte de mammouth. Et même le dinosaure provient de deux mots grecs, et veut dire terrible lézard. Et c'est leur description exacte. Il y en avait de toutes sortes. Regarde avec les dinosaures. C'est petit, un genre de renard rampant, de la taille de poule. Regarde les dinosaures là. Ils n'étaient pas très malins. Mais le plus gros d'entre eux avait la cervelle d'un bison. Ils vivaient dans les serres, les flots et bien sûr sur terre. Ils étaient le plus souvent végétariens, plutôt aimables et généralement avenants. Il y avait néanmoins des bandits et des gangsters parmi eux. Le plus terrifiant, une brute nommée Tyrannosaurus Rex était probablement le plus grand des tueurs que notre monde ait connu. Les dinosaures dominèrent la création pendant près de 200 millions d'années. C'est qui l'ont dit, c'est direct. D'après certains scientifiques, les tremblements de terre et la sécheresse auraient transformé le monde en un immense désert. Quoi qu'il en soit, les dinosaures... On va dire que tu connais le désert de l'Antarctique. Mais ça commence il y a longtemps, avant même... Donc on dit que tu connais le désert de l'Antarctique. Les lieux de nuages de vapeur, d'océans, d'émissions... Tu connais le désert de l'Antarctique. C'est quoi ce qui fait moins 15 degrés? Il y a de cela plusieurs milliards d'années. Mais sur Mars. En observant cette petite planète tourmentée et solitaire, tournoyant dans l'océan du désert. Le désert, hein, ça le pôle. Pas le bol sud, hein. Le désert. Heureusement qu'il dit qu'un peu pôle, heureusement que c'est pas le bol. Heureusement qu'il dit moins 15 degrés, du coup, il dit moins 90 degrés. Et au pôle sud, il fait moins 90 degrés. Là, tu vois. Mais, ça, je suis dormi là-dedans. Mm.
licorne. Planète ou une étoile? Hein? Oh, d'accord. C'est une planète étoile. Quand même l'été parce que il y a des parce que c'est presque que des vacances quand même. Ouais. Regarde les dinosaures. Thank you.
Bonjour, pour Bastion, je vous annonçais qu'il y a un autre aux États-Unis.